Cette semaine, c'est Gérard Gueuse de l'hôtel-restaurant chez Julien à Foudé qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. On va réaliser donc un chouchi, une variante avec un jeu de mots avec effectivement du chou de choucroute qu'on va allier avec enveloppé dans du saumon fumé. En fait, on dit chouchi parce que le mot est marrant, mais en fait, c'est un maquis. Voilà, exactement. C'est un maquis de saumon et de choucroute. Donc, on va retrouver effectivement un rond avec le chou et les réforts à l'intérieur et le saumon fumé autour qui va l'emballer. C'est simple à faire. Alors, une ménagère, elle peut acheter la choucroute cuite. Moi, je ne conseille pas, bien sûr, parce que c'est quand même meilleur de faire la choucroute soi-même. Donc moi j'ai cuit la choucroute avec un peu de graisse de canard. D'accord. J'ai fait suer dedans des oignons, un tout petit peu d'ail. J'ai ensuite mouillé avec du vin blanc. Moi je ne travaille pas à la bière, je travaille au vin blanc, Riesling de préférence. Ensuite j'ai remouillé avec un bouillon de volaille parce que je ne mouille jamais une choucroute avec de l'eau. D'accord. Mais tout ce que je fais d'ailleurs. Voilà. L'objectif c'est préférer plutôt le goût et donc d'utiliser un bouillon. Quoi. Exactement. Mmh. Donc je laisse cuire. Je fais ce qu'on appelle une chaussette, c'est-à-dire je prends un morceau de tissu où je mets tout, les clous de girofle, les genièvres, tout ce qui va donner du goût en tout cas. Voilà, je ferme bien pour que ça ne se balade pas dans la choucroute, mais qu'il soit bien, que le bouillon s'imprègne bien de ces ingrédients. Et ensuite seulement je mets le chou. Et là je le laisse cuire 40 minutes, et au bout de 40 minutes, j'enlève la casserole, mais je le laisse tirer dans la casserole. Mais pour cette recette, il faut que le chou soit très égoutté. D'accord. On récupère le chou. On le fait égoutter. Celui-là, par exemple, je l'ai fait égoutter toute la nuit. Ah oui, d'accord. D'accord. Et j'ai encore bien pressé. Si vous avez de l'humidité dedans, ça ne marche pas. Donc là, le chou, c'est bon, c'est prêt. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, on s'occupe tout de suite de notre réduction. Enfin, de notre sauce. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est une réduction de crème fraîche, d'accord. En fait. D'accord. Donc, de la crème. De la crème. Avec un tout petit peu de réfort, comme ça, oui. J'en mets pas beaucoup, d'accord. Oui, il faut qu'on le sente, mais que ça ne soit pas non plus, que ça l'emporte. Non, on va le réduire et on va lui donner un coup de fouet. Oui, l'objectif, c'est que finalement, le réfort et la crème se mélangent. Et puis, on va attendre quand même que ça réduise un petit peu. On attend juste une ébullition. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chou qu'on va assaisonner, enfin mélanger avec cette crème qui est en train de réduire. D'accord. Vous voyez? On fait ça comme ça. Et en fait, ça sera la farce de notre maquis. Exactement, la farce de notre maquis. Hein, voilà. Notre crème est bien réduite. Mm-hmm. Hein. Donc, je vais mettre la moitié dans la choucroute. Hein. Et je vais garder l'autre pour mettre sur l'assiette après, pour garnir l'assiette. Oui, en façon un peu, pas assaisonnement, mais condiment. Exactement, c'est un condiment. Donc on mélange. Donc on mélange bien la choucroute et le... D'accord. J'imagine ça, finalement, Gérard, on le prépare avant. Parce que le maquis, quand on va le rouler, il a besoin de prendre un peu... la veille. Ah oui, bien sûr. Il lui faut une bonne nuit de frigo, quoi. D'accord. Vous voyez ? Bien mélangé avec la crème. Hein. Donc maintenant, on va prendre du papier film. Oui, qui va nous permettre de façonner notre maquis. Voilà. Donc là, on est sur du saumon fumé. Oui, saumon fumé, oui. Maison. Oui, maison, oui. Ouais. Exactement. D'accord. Voilà, comme ça. Hein. D'accord. OK. Ensuite, on prend notre préparation. Mm-hmm. On met donc, on place au centre, enfin au centre. Si, au centre. Oui, au centre. Voilà. Mm-hmm. Et ensuite... On commence déjà un petit peu à le former, on va dire que comme ça, voilà. Il est réparti. D'accord. On rabat. Bien. Deux. D'accord. Mm-hmm. Et ensuite, on va le rouler. Ouais, là, l'idée, c'est après de le façonner. Ouais, on va réaliser un petit boudin, quoi. Bon, c'est ça, super. Parfait. D'accord. Ouais, donc, ouais. Voilà. Et ensuite, donc, on réserve ça au frais une nuit. Une nuit. Et puis le lendemain, c'est bon. Voilà. D'accord. Il faut laisser bien prendre. Mais je vous dis, il y a la possibilité de mettre de la gélatine. Oui. Mais franchement, vous verrez le résultat après, ce n'est pas nécessaire. Quoi. D'accord. Donc celui-là, on va le réserver. Vous en avez préparé un d'avance. On le coupe. Oui. On le dresse avec la petite touche là, de réfort. Et puis on goûte. Ça D'accord. marche. On fait comme ça, alors. Je mets un peu de... De persil. C'est un persil plat. Vous pouvez mettre de la ciboulette, du persil frisé, ça n'a pas d'importance.
je coupe avec le film. Ok, oui, pour assurer le maintien jusqu'au voilà. dernier moment. D'accord. Mmh. Vous voyez, ça tient ? Ouais, super. Ouais, parfait. Vous avez aussi la possibilité de mettre au milieu un petit carré de saumon encore. Donc ensuite, on enlève ce papier là. Mmh. On dispose vrai. Comme ça. Alors, si vous faites ça en amuse-bouche, vous prenez des petites assiettes et puis vous donnez... Oui, après on peut le dresser sur voilà. une plus grande et puis voilà. un peu façon ardoise, puis on partage tout, quoi. Voilà. Super. Top. Allez, on goûte. Allez, c'est parti. Un peu de chou et de... Ouais. Alors c'est excellent. Simple, hein. Préparé d'avance, vous avez des invités, vous faites ça sur la truc. C'est sympa parce qu'en fait, on reconnaît en fond comme ça le goût de la choucroute. Mmh. Mais c'est très subtil parce que la choucroute, on a quand même ce goût qui est assez prononcé. Non, mais là, c'est différent. C'est ça, ça apporte de la douceur avec la crème, le réfort qui est là quand même pour apporter du pep. C'est trop bon. Ouais. C'est frais. Et, et finalement, ça peut se manger à toute saison. Ah oui, ça c'est... En été, ça passe bien. En hiver, non, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment une belle recette. Voilà. On fait quoi ensuite, Gérard ? Alors ensuite, on va faire un pressé de volaille au foie gras. Ça, c'est une recette qui demande un peu plus de travail, la veille ou deux jours avant. Une petite ravigote dessus et basta. Donc un pressé de volaille au foie gras. Voilà. On commence par s'occuper de la volaille, j'imagine. Alors, donc bouquet garni qu'on va cuire. Une belle volaille, hein, la belle rouge de préférence. D'accord. Hein, c'est pas la peine de prendre de la bresse, hein, mais une belle volaille. Un beau produit quand même au départ. Voilà. Donc voilà. Donc une casserole, on plonge la volaille. Oui. On plonge le. Il va tomber tout seul après. Hein. La casserole est un peu petite. On n'a pas l'habitude de travailler avec des casseroles comme ça. Donc céleri, oignon. C'est vrai que là, la casserole. Voilà, un peu petite, hein. Mais ça va aller. Bon, on comprend l'idée, quoi. On comprend l'idée. Hein. Ça, c'est le principal. On comprend l'idée. Ça va tomber. Ça va cuire à peu près une heure et quart. Donc laurier. Laurier, girofle. Oui. Un peu de mignonnette. Oui. D'accord. Moi, de poivre. Mignonnette de poivre. Je sale pas tout de suite. D'accord. D'accord, je sale plus tard. Oui, bah, de toute façon, en plus de ça, c'est que ça risque de réduire un peu, ça va se concentrer, etc. Voilà, etc., exactement. Quoi. Donc, on va laisser maintenant cuire pendant une heure et quart. D'accord. Donc, on laisse pendant une heure et quart et après, on la récupérera. On récupère la volaille. La désosser, on la désosse. On enlève tous les os, la peau et les petites particules. Et on monte une couche de volaille, une couche de foie gras, une couche de volaille, une couche de foie gras. Et on verse le bouillon avec les feuilles de gélatine dessus, 24 heures au frigo. Donc pendant que la volaille est en train de cuire, on va s'occuper de la ravigote. D'accord. Donc la ravigote, c'est 2/3 d'huile. Mm-hmm. Donc huile, peu importe, c'est que le colzame, ça peut être le tournesol. Pépin de raisin. Un tiers. On en Alsace, donc 1/3 de vinaigre Melfort. Un filet de balsamique blanc. D'accord. Sel. Mm-hmm. Poivre. Wow. Ciboulette. Oui. Donc on a ciselé, haché. Échalote ciselée, oui. Pareil. Des tomates. D'accord. Et on mélange le tout. Alors, c'est le même principe que la vierge de base, sauf qu'on met des olives et voilà. Et... Donc, ça va nous permettre d'accompagner notre pressé de volaille. D'accord. Donc, ensuite, ça, on réserve au frais. Oui, enfin, au frais ou dehors. Hein. Retirer tous les os et tout ce qui pouvait être impureté, qui pouvait finalement impuretés, les petites cartilages, des choses comme ça, la peau, on l'a bien retiré. Ouais, on a bien retourné. Ouais. Et là, on va pouvoir après monter le pressé de volaille. Et on met une petite couche au fond déjà. Là. Donc on met une première couche Hop, de volaille au fond de notre terrine. Voilà.
Donc pas besoin de mettre du film alimentaire au fond. Hein, non. Donc on récupère un foie gras. Bon là, on est sur un foie gras maison. Ça, c'est un foie gras maison, mais on peut l'acheter, hein, bien sûr. Hop, et donc on coupe le foie gras. Ah oui, d'accord. Ah oui, on fait... on met pas mal, hein, du foie gras. Ouais, on met deux couches. Hein. Mmh. Ah oui, on est sur une, un pressé très gourmand. Hein. Ouais, ben, c'est un pressé de fête, ça. Ah, c'est ce que je veux dire. Vu la taille des morceaux de foie gras qu'il y a dedans, on peut même se préparer ça pour Noël. Hein. Et on remet une couche donc de volaille. Et de foie gras. Sur le dessus. Donc on remet une dernière couche de foie gras. Gérard, vous rigolez pas hein, quand vous faites un pressé de volaille. C'est généreux et c'est gourmand. Oui, mais c'est beau 12 personnes. Oui. Oui, ah bah oui, merde, j'allais pas la manger toute seule. Ah, puis c'est vrai que c'est facile en fait. Hein. Bah, montage, c'est très facile. Hein. On a notre fond. Alors. Alors, oui, on a prélevé ouais. Un petit peu de fond. Il y a un litre. D'accord, un litre. Pour un litre de fond, c'est 20 feuilles de gélatine. D'accord. Ouais, là, c'est précis. Oui. Donc voilà, j'ai donc. Je l'ai filé mon fond de cuisson. Mmh. Que je vais laisser refroidir. D'accord, on ne le met pas tout de suite. On ne le met pas tout de suite, sinon le foie gras va prendre un coup, d'accord ? Donc on va le mettre on va le couler une fois sur la terrine, une fois que le fond est froid. D'accord. Le mieux, c'est 48 heures. D'accord, et après, je le réserve au frigo pendant 48 heures. Voilà, le mieux, c'est 48 heures. Vous pouvez déjà au bout de 24, mais le mieux, ce qui prenne bien, c'est 48 heures. Et on va bien sûr le servir tout à l'heure avec une sauce ravigote. Mais ça, c'est une terrine de fête quand même. Oui. C'est une terrine de vous Noël. Vous en avez préparé une d'avance. Je vous en ai fait une d'avance. On va la démouler maintenant. Et puis on la goûte. Et on la goûte. Donc hop, on démoule. Donc avec un couteau. Hop. Normalement, elle sort, mais des fois, si elle sort. Ah, super. Donc voilà ce que ça donne après 48 heures. Voilà. Après 48 heures, vous avez ça. Ah, super. Elle est belle. Ah, super. Donc après, on la coupe. Là, j'ai mis quatre tranches, je crois. Mmh. Ah ouais, super. D'accord. Donc là, on voit le foie gras au cœur. On le dresse sur assiette. Avec la petite sauce qu'on va mettre avec. Et c'est vrai que ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que finalement, on la prépare, donc il y a du temps de travail 48 heures avant, mais encore, c'est relativement facile. Et après, on n'a plus qu'à la couper, à la dresser, quoi. Voilà. Donc la petite sauce dessus. Super. Et donc, un peu de fleur de sel avec des baies. Oui. Bon, eh ben on va goûter, Gérard. Mmh. Avec la petite sauce, c'est trop bon. Mmh. C'est trop bon. Beaucoup, ce qui est sympa, voilà, on a l'acidité. De la fraîcheur. Ouais. Parce que souvent, quand on mange du foie gras, il y a ce côté un petit peu lourd. Ouais. Et voilà. Et là... Voilà, on a le côté allège, gras, mais effectivement, avec la sauce, ça allège vraiment. Ouais, c'est top. Mmh, c'est vraiment une belle recette. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va faire une tarte à l'oignon, mais une tarte à l'oignon simplifiée, comme on peut la faire à la maison, toute simple, avec de la pâte feuilletée, juste des oignons et de béchamel. D'accord. On va faire un fond de tarte. Hein. On a fait un fond de tarte en pâte feuilletée. Oui, donc une base de pâte feuilletée. Pâte feuilletée. Qu'on peut aussi acheter, hein, une ménagère, elle peut acheter ça. Maintenant, il y a de très bonnes qualités. On trouve ça dans toutes les bonnes maisons, supérettes. Et ensuite, il nous faut des oignons émincés, comme ça, du beurre et de la farine pour la béchamel. D'accord, donc en fait, c'est une pâte feuilletée, béchamel et des oignons. Commence par les oignons, on commence par tuer les oignons. Hein, donc, on va mettre un peu de beurre. Hein. Oui. D'accord. Et on va faire suer les oignons. D'accord. Doucement, sans les colorer. Ah, donc pas de coloration. Non, pas de coloration. C'est un peu plus généreux avec le beurre. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on met nos oignons. Voilà. Qu'on a coupé. Voilà.
émincer finement, oui, comme ça. Hein. Mmh. Et on va laisser suer. D'accord. Gentiment. D'accord. Pendant ce temps-là, on va faire La béchamel. La béchamel. Alors, la béchamel, pareil. Une béchamel 50-50. 50 beurre, 50 farine. D'accord. On fait une petite béchamel, comme ça. Bon. Voilà. Donc, comme ça, on va laisser... On rajoute donc la même quantité de farine pour réaliser notre béchamel. À peu près, ouais. D'accord. Donc là, on pèse pas, c'est tout à l'œil. Hein. Pas. Oui, mais c'est toujours temps pour temps. D'accord. Voilà. Tant de farine, tant de beurre. D'accord. Ouais, puis avec l'expérience, c'est à l'œil. Avec l'expérience, c'est à l'œil, mais ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, vous savez qu'une béchamel, c'est soit vous avez le roux chaud et le lait froid, soit le lait chaud et le roux froid. Mm-hmm. Là, on a un roux chaud. Donc, on va mettre du lait froid. On va mettre du lait froid. Et alors, le lait en quantité, Gérard, c'est quoi? En fait, je mesure l'épaisseur au fur et à mesure de la cuisson. D'accord. D'accord. Si maintenant, c'est trop épais, ben, je rajoute du lait. Oui, OK. Oui, à la limite, il vaut mieux en mettre un petit peu moins. Ah bah oui, sinon, après, c'est du béton armé, quoi. Donc on mélange, puis de toute façon, on le voit après, elle va prendre en consistance. Ouais, elle est bien, là. Elle est bien. Donc là, pour le moment, on n'a pas assaisonné, on est d'accord. Hein. Non. Alors, sel, poivre, muscade. Hop, donc on sel. Poivre. Un petit peu de poivre. Un peu de muscade aussi. Hein. Mmh. Oui, bah, en général, d'accord. Voilà, elle est quand même épaisse, vous voyez. Oui, elle est épaisse. Et donc là, c'est pareil, c'est une recette, Gérard, finalement, qui est assez rapide, parce que on coupe nos oignons, on les fait revenir, on réalise notre béchamel, après on va la passer au four et puis après on n'a plus qu'à... Exactement. Hein. Donc c'est assez rapide. Donc là on a terminé la béchamel, Gérard en train de remettre un dernier petit coup de fouet. On n'a plus qu'à mettre la béchamel sur notre base de pâte feuilletée, nos petits oignons. Non. Ah bon? Pas du tout. Ah bon? On va d'abord mélanger les deux avant de mettre appareil dessus. On mélange les deux. On mélange les deux, on le met sur notre base de pâte feuilletée, on enfourne combien de temps à combien? Alors, très chaud, 250 degrés. Ah oui. D'accord. Le four le plus chaud possible. Oui. Voilà. Et on surveille. D'accord. D'accord. Okay. C'est 15 minutes. D'accord. Donc, tout est à l'œil avec Gérard. Et la recette et la cuisson. Et après, on goûte. Voilà. C'est trop bon parce que effectivement, tu as la gourmandise de la béchamel, les petits oignons. Alors là, on l'a fait en entrée, Gérard, mais à l'apéro, c'est top, ça. Ah oui, c'est... Ah ouais. Moi, je le fais souvent à l'apéro, quoi. Mmh. Ouais. Mais c'est très facile à faire, quoi. Bah, c'est rapide. Ouais. Et ça, je trouve que ça change de la tarte flambée. Oui. Voilà, on est dans autre chose, puis on a vraiment le bon goût de l'oignon. C'est ça. Mais c'est pareil, c'est un intemporel qu'on peut faire toute l'année, même avec une belle petite salade en entrée. Exactement. Ah, c'est parfait. OK. Je valide. On va faire quoi ensuite comme recette? Alors ensuite, on va faire des caisses Knepfl, des quenelles de fromage. Ça marche. Tout simplement, au girolle, petite girolle. Donc c'est une recette végétarienne? Complètement. Hein enfin, et l'œuf. Oui, mais bon, en tout cas, voilà, et qu'on va associer donc avec des petites girolles. Oui, voilà. Exactement. On commence par quoi? Alors, sachant que la particularité, donc c'est fait avec du fromage blanc. Et Gérard, vous me disiez qu'il faut vraiment que le fromage blanc ait évacué tout son eau. 24 heures. Voilà, 24 heures. Donc voilà, l'idée, on montre, on a gardé ça exprès, c'est récupérer un linge. Voilà, avec le fromage blanc. Voilà, mettre le fromage blanc. À l'intérieur. À l'intérieur. Et donc on le laisse égoutter comme ça. 24 heures. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Ce qui sort du fromage blanc. Parce qu'il ne faut absolument pas que le fromage blanc soit gorgé d'eau. Sinon, la recette ne va pas du tout fonctionner.
En fait, quand on va faire la quenelle, elle va partir en vrille dans le... Oui, dans, on veut une belle quenelle qui se tienne. Voilà, quoi. Qui se tienne. Donc ça, on va le laisser de côté voilà. Et on va récupérer notre fromage blanc qui est déjà égoutté et qui est prêt. Voilà, exactement. Donc on prend ça. Oui. Donc fromage blanc, ensuite, qu'est-ce qu'on y met? Alors, on y met 400 g de farine. Oui. Je vais encore bien vérifier que ce soit... Oui, c'est ça, 400 g. Donc, on va mélanger ça. Donc, les 400 g de farine à notre fromage blanc. Voilà. Et le fromage blanc, en quantité, on a mis combien? Il y avait combien, là, Gérard? 900 g. D'accord. 900 g de fromage blanc, 400 g de farine, 5 œufs. D'accord. Jusqu'à maintenant, on a fait quasiment toutes les recettes à l'œil. Oui. Là, on respecte bien. Là, c'est pas possible. Donc là, on mélange notre farine et notre fromage blanc. On va mettre les œufs. Oui. Donc, en quantité au niveau des œufs, donc on en met 5. Voilà, pour 250 g d'œufs, en fait. Hein. Mmh. Et là, on va mélanger... L'ensemble. Oui. Et cette pâte-là, après, elle n'a pas besoin de reposer. On peut la travailler tout de suite. C'est-à-dire que nos quenelles, on va pouvoir les faire dans la foulée. Dans la foulée. Donc ça, c'est une recette typiquement alsacienne. Ah oui. Oui, ça, c'est typiquement alsacien. Et c'est une recette que vous aimez faire. Oui, oui, moi. Oui. Oui, j'aime bien. Ouais. Donc on mélange le tout. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, oui. On va faire suer un peu d'échalote. D'accord. Ah, qu'on va rajouter après dans notre préparation. Exactement. Donc, d'accord. Échalote ciselée. Oui. Et on mettra aussi un peu de persil plat. Donc, moi, je mets le persil. Oui. D'accord. Donc, dans notre préparation. Et Valentine, elle met. Fromage blanc. Et je vais mettre, moi, les petites échalotes. Voilà. Allez. Je mets tout. Oui. Hop. Voilà. Voilà. Et on mélange l'ensemble. Voilà. J'ai encore une petite cuillère, je la mets. Oui, oui, oui. Allez. Voilà. Super. OK. Donc là, on a l'appareil à casse-knepfle. Mm-hmm. OK. On met sel, poivre, muscade. Mais je ne sais pas où ils l'ont mis, la muscade, je ne la trouve pas. Bon, à la maison, on rajoute de la muscade. Voilà. On remélange. Et après, on va faire nos quenelles qu'on va pocher. Exactement. Donc là, c'est un peu la phase un peu délicate. Ouais, c'est délicat là, ouais. On forme la quenelle. Voilà. À quel moment c'est que c'est cuit, Gérard? Quand elle remonte bien à la surface. D'accord. Donc là, on va terminer nos dernières quenelles qu'on va pocher. Oui. Ensuite, on poêlera les girolles. Oui. Et les petites quenelles. En fait, non, je fais pas comme ça. Non. Ah bon. Je poêle les quenelles, je poêle les girolles à part. D'accord. Et je mélange à la dernière minute. Okay. Et on mélange à la dernière minute. Voilà. D'accord. Et après, on goûte, hein, Gérard, quand même. Oui, on goûte après. Voilà. Après, on aura le droit de goûter. Voilà. Ça peut se faire aussi en garniture d'une viande. Hein. Ah ouais, c'est trop bon. C'est vrai que... C'est moelleux. Et... Ouais, c'est ça, c'est très très moelleux. Et pour le coup, le mariage, je trouve, avec la girole se complète parfaitement. Quand il n'y a pas de girole, je le fais avec des lardons. Ouais, ouais. Une tombée d'oignons et des lardons. Non, voilà. C'est vraiment très 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 bon. Vraiment, on a ce côté moelleux. Ouais. C'est gourmand, enfin vraiment... Voilà, c'est simple. Ouais. Ouais, mais c'est... Bon, les girolles, c'est un prix, mais le reste, ça coûte rien. Mmh. Quoi.
Bah après, en plus, c'est relativement simple, c'est quand même rapide à réaliser. Et ça sort de l'ordinaire. Absolument. Ouais. On fait quoi comme dessert? Alors, en dessert, on va faire une pêche pochée avec un sabayon crémant d'Alsace. Donc, on commence tout de suite par pocher nos pêches. Oui, exactement. On fait un sirop d'abord. D'accord. Donc, le sirop, il a déjà été fait, voilà, donc de l'eau, de l'eau, sucre. De l'eau, sucre cuit, voilà. Et puis, on va... de l'eau, le sirop est frémi, comme ça. Et on et met... Et on va pocher les pêches. Dedans. Sans rien enlever. Entière, comme ça. D'accord. On va pocher les pêches, gentiment. On va les laisser combien de temps, Gérard? Oh, une bonne demi-heure. Hein. D'accord. Donc là, voilà, on les laisse comme ça. Oui. Alors, vous en aviez préparé d'avance. Oui, c'est alors, ça. Voilà. À la fin, elles sont juste là. Ça donne ça. Ça donne ça. Il faut bien les éplucher. C'est ça, à la fin de la cuisson. Délicatement. Mmh. Parce que sinon, vous blessez le fruit. Et voilà. Et donc, vous allez avoir une pêche qui est très, très moelleuse. Mmh. D'accord. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le sabayon. D'accord. Donc, le sabayon, là, j'ai mis 5 jaunes d'œufs. D'accord. Avec du crémant d'Alsace. Hein. Je vais rajouter le sucre, comme ça, un peu de sucre, voilà. Et on va monter à feu très doux Le sabayon. Le sabayon, il faut le monter à feu doux parce que faut pas obtenir une omelette, quoi. Hein. Voilà. Oui, finalement, c'est l'élément alors un peu complexe de la recette. En tout cas, faut être vigilant au moment où on est en train de monter le sabayon. Exactement. Alors là, ça, c'est assez long à monter quand même. Hein. On voit, c'est en train de mousser. Oui, oui. Ça va s'épaissir. Hein. Au fur et à mesure que l'œuf prend un peu de chaleur, ça va s'épaissir. Oui, on va le voir tout de suite, hein, de toute façon. Il faut bien toucher. Surveiller la température. Et en gros, il faut pouvoir toucher quand même un peu la casserole. Oui, ou... c'est ça, exactement. Vous voyez, je touche là. Et alors, quand il sera complètement fini, ce sabayon monté, je vais mélanger à la crème battue. D'accord. Voilà. Super. Donc là, c'est bon. Oui, là, il est bon. D'accord. Mm-hmm. Donc là, on rajoute la crème fouettée. Voilà. Pourquoi vous rajoutez la crème fouettée? C'est pour donner un peu plus de légère, enfin de... Moelleux. D'accord. L'onctuosité. Voilà. Alors maintenant, on goûte. Hein. Voilà. Donc, on met notre pêche au centre de l'assiette. Voilà. Et après, on verse, on nappe. Ah, super, de notre sabayon. Voilà. Oui, sachant qu'après, en plus, si on veut apporter du croquant, on peut mettre de la meringue, une petite tuile. Une tuile, oui, oui. Donc hop, on rajoute un petit morceau d'amande et une petite tuile pour le croustillant. Mmh. Oh, la pêche, elle est trop bonne. Hein. Ouais. Mmh. Même avec le sabayon et effectivement le crémant comme ça qui donne une petite note. Hein, c'est vraiment très très bon. Pas trop de sucre? Non. Le sucre est vraiment bien dosé. Mmh. Et ce qui est bien dans cette recette, on l'a vu, c'est qu'en fait, finalement, le plus long... C'est le temps de cuisson de la pêche. Et encore, on n'a rien à faire, on la pose dedans et c'est réglé, quoi. Donc, ça, c'est 5 minutes. Ouais. Non, c'est top. Franchement, belle recette, chef. Voilà. Merci beaucoup, Gérard, pour l'accueil. On a passé un bon moment. On s'est régalé. Donc, j'espère qu'on aura le droit de revenir. On vient en général une fois par an. Pas de problème. Bon,